Bonjour mes petits camarades. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 21 août 2019 et une petite promenade entre le petit Chaux qui se trouve après le pont de Chaux et en Sur-Meuse. Alors il y a un petit sentier là qui fait la boucle de Meuse tout autour de la centrale nucléaire. C'est assez joli parce qu'il y a une partie qui est vraiment sentier forestier et puis l'autre où on est en train de rejoindre très certainement la voie verte Transardenne qui se prolonge logiquement de Han jusqu'au petit Chaux et à Chaux même, hein, puisqu'on pourra aller rejoindre j'y vais par le petit Chaux à partir très certainement de cette voie verte Transardenne qui se prolonge, ce qui nous évite de traverser, comme par le passé, le village de Chaux à pied. Voilà, donc belle découverte, hein, très certainement encore des paysages sympathiques. Hein, je vous laisse découvrir bien évidemment avec moi et on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner parce que je suis parti à 9h30 et il faisait une température de 12 degrés, donc c'est un peu court, hein, mais en marchant, on se réchauffe vite. Hein. Bon, à tout à l'heure, hein. À bientôt. Bon, ceci dit, hein, il y a encore un peu de boulot, elle a l'air très belle cette voie-là. Hein. Il y a un peu de boulot parce que là, ça s'arrête, hein. Je viens juste d'en face, là, du petit sentier forestier. Donc, gros aménagement encore parce que il y a un sacré bout pour les rejoindre le petit Chaux déjà. Hein. Mais voilà, c'est une très belle initiative. Hein. Pour tout ce qui est vélo, patin à roulettes, et puis piéton, puisque moi je suis un piéton, un marcheur. Hein. Voilà, elle est bien belle cette voie-là en construction. Voilà un des bras de la fameuse boucle de Meuse, hein. Un coin sympathique réservé à la pêche, hein. C'est bien calme. Hein. Il y a aussi pas mal de Belges, de caravanes, de petits chalets. Alors ce sont des pêcheurs principalement. Hein. Bon ben voilà l'endroit du casse-croûte de ce midi. Donc on a ravioli, on a un petit morceau après une morbier, une pomme, un morceau de pain et puis un litre et demi d'eau quoi. Voilà, donc ça cuit doucement, vous voyez. Pas d'endroit pour s'asseoir, mais enfin j'ai trouvé un petit coin entre la Meuse et un rocher. Bien sympathique. Voilà. On mangera donc debout. Contre les roches, hein. C'est pas plus mal. Maintenant, on va pas manger de ravioli. Hein. Hein. J'ai marché quand même 2h30 ce matin avant de m'arrêter parce que là j'avais faim. Hein. Donc je suis rentré un peu dans un sous-bois là, mais il y a une route qui est quand même pas loin. Je me sens, quoi. C'est un pont, c'est le pont qui va à Han sur Meuse. Voilà. Donc il me reste 3 km pour aller à Chaux et puis 2 Chaux au petit Chaux. Je suis garé encore deux, ça fait 5, enfin je sais pas, je vais peut-être marcher déjà 10, 12 km ce matin. Hein. 5, 17,
ça fait 18 ans. Bon, eh bien, voilà, hein. La boucle est bouclée. Me voilà revenu à mon point de départ de ce matin. Hein. Ça me fait au total 5 heures de marche. J'ai fait une petite pause, allez, un quart d'heure, 20 minutes, vu que j'étais debout entre bois et meuse. J'ai pas trouvé un endroit pour m'asseoir convenable, mais comme j'avais faim, il fallait absolument que je mange. Hein. Voilà. Donc, maintenant j'ai soif. Alors, il me reste quoi? Il me reste allez, entre 5 et 800 mètres là, pour aller rejoindre ma voiture. Mais pour l'instant, glou 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 glou, hein, complètement déshydraté. Eh ben, c'était bien. Ça rafraîchit bien. Voilà. Encore une belle journée. Une belle journée passée dans la nature. Bah ouais, enfin, je dirais pas découverte, mais quelques beaux endroits, beaux paysages, belles fleurs, des ponts sur la Meuse, sous la Meuse, enfin, vous verrez, hein, c'est ça le secret de mes petits films, c'est d'aller jusqu'au bout pour voir, bah, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'au bout. Allez, au revoir.